Nous sommes bien d'accord, messieurs. Ah, Romain! Alors, ce mariage avec ma fille, c'est pour quand? J'ai cru comprendre qu'il fallait prendre des dispositions rapidement. Oui, c'est prévu, mais enfin, je vous suis pas là. Bon, je laisse ma fille vous faire la surprise, alors. Et si je refuse? Pense à tout ce que tu peux perdre. Ce venir a besoin de ma fille, et bientôt d'une famille. Et c'est pas une mince affaire. Et puis, c'est toujours ce que tu as voulu, non? Faire partie des nôtres. Maintenant, tu dois payer le prix. Non. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je viens choisir les pierres tombales. C'est la première fois que je vois une jolie fille sur une tombe. Je suis sûr que vous êtes venu pour réfléchir. Vous devriez partir. Je vous dérange. Mais alors, je vous laisse à votre ennui. C'est quoi votre prénom ? Et vous? Moi, c'est Juliette. Je vous raccompagne. Je suis rentré, tu dormais. Ouais, ça m'arrive. Tu veux du café? T'as pu aider ton ami? Ouais, tu sais, c'est la sœur de Franck. Franck, il bosse avec moi. En fait, il lui a filé mon numéro pour qu'elle puisse m'appeler en cas de problème. Et depuis qu'il est parti à Shanghai, elle arrête pas. Stop. Elle... Quoi? Stop. Quoi? Arrête. Ça t'intéresse pas? Non, ça te regarde. Ouais, mais on se fout du boulot que fait ma femme. Non, moi ça m'intéresse. Ça t'intéresse, ça? Plus de questions, ok? Plus de questions, plus de questions. De la joie, 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 de la joie. Qu'est-ce que tu me fais, là? Un indien. Un indien? C'est ça ton fantasme, hein? Un indien qui te fait la cuisine, hein? Exactement. C'est ça que tu fais. Ça tourne, là? Bah oui, ça tourne. Je fais une émission d'hier, je t'avais dit. Attends, me prends pas la tête, je t'avais dit. Je te prends pas la tête. Là. Bon, ok, je t'avais dit. Calme-toi. Mais j'en ai marre, attends. Calme-toi. Bon, ok, alors qu'est-ce que tu veux dire? Bon, alors je continue. Donc, du moment que je suis auteur, il n'y a pas de problème. T'es auteur? Bah, c'est ma vie quand même que tu tournes. Ouais. Bon, c'est ok pour les photos. Elles sont pas à la rédac? Qu'est-ce que tu fous? Ne me dis pas que t'es toujours au cimetière. C'est ça. Écoute, je te paye pas pour faire des nécros. Je donne mon fric, tu me donnes ce que tu me dois. T'as une fric? Tu me dois, confesseur, je te dis, tu me donnes ce que tu me dois, y'a pas de problème. Et tu crois que je vais te laisser mourir ici? Lamentablement, peut-être! C'est bien que ces dernières semaines, j'ai pas eu le temps du tout de taper. Il se bat pour nous ensemble. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer à la maison tranquillement et de s'expliquer. Sans s'énerver. Vous avez pensé à votre fille? Le diable n'apparaît qu'à celui qui le craint. Et oublie ta morale quelques minutes, Romain. Tu seras à l'abri du besoin pour le restant de tes jours.